Nous avons quitté l'île de Boïdu ce matin. On a 6, 7, 8 nœuds de vent là à peu près. Et puis, renouveau réglage de grand voile là, vraiment pour pouvoir l'ouvrir au maximum parce qu'on est vraiment plein cul là. Donc, voilà, on la tire ici. Et tout ça pour ne pas se trouver dans les barres de flèche. Voilà, donc on est grand voile pleine et le spi plein et Corinne qui surveille les dauphins. Oh, alors et normalement il y a Taoumé qui est devant, qui est très très loin devant, qui sont partis un petit peu avant nous. Et puis voilà, puis on avance tranquille et tout va bien. Donc on a 7 nœuds de vent. Et on avance à 5-2. Et nous allons en direction de Songo Songo. Voilà, qui est l'île qui est là. Voilà, on va aller jusque là-bas, là. Et il reste 28, 29 000 pour arriver. Officier de réglage, les nouvelles? Bah, les nouvelles, c'est que c'est pas loin de la calmasse, hein. Mais Bon. surtout avec une mer plate comme ça, c'est un bonheur, hein. Ouais, c'est vraiment C'est magnifique. vrai que c'est un bonheur. Ouais. Tu t'as mis des peintures de guerre? Ah bah j'essaye, ouais, parce Non, que parce ça. que t'es tout bleu. Ah bah ouais, bien sûr, et tant, et je me suis pas mis dans la glace, hein. Parce que je me fais peur en ce moment dans la glace. J'arrive pas à voir si ces filets ils sont derrière, s'ils sont devant, j'arrive pas à voir comment c'est bien. Pour savoir de quel côté on passe. J'ai l'impression qu'ils remontent les filets. Surprise! Bon, l'île de Sango Sango qui est droit devant nous. Ah, là, on est en version course, hein. Génois, Génac. On a pris combien là? Ah ben, on a pris 2 nœuds, hein. 4 au lieu de 2. Parfait. Allez, maintenant on peut rentrer l'autre. Ah, on prend de la vitesse là. C'est chouïa quand même, hein. Voilà. 7 nœuds de vent, on est à 6 nœuds. 5-8, allez. Quelque chose là, non? Eh, c'est le bordel là, hein? Allez, allez, gonfle, allez, hop, voilà. Non, mais quand même. Oh merde, j'ai tiré là-haut. Oh la jolie. Ouais. On va. T'as du scotch? Oui. Ah, on a déchiré le spi, hein, donc. Je crois qu'il faut le descendre avant que ça s'aggrave. Ouais, on va le redescendre, allez. Raconte-nous ton souci, Michel. Bah, on a un petit. On a fait des dégâts dans le spi, là. On a fait un petit trou dans le spi. On sait pas de quoi ça vient, donc c'est vraiment. Probablement, il y a eu un accro qui a accroché là. Ouais, il y a quelque chose qui a accroché, on sait pas quoi. On sait pas où, en haut du phoque, probable. Ouais. Donc, c'est pas un coup de vent, rien. Il a touché quelque part, on sait pas où. Voilà, donc on va réparer ça. Voilà, en fait. Est-ce qu'on a la longueur là? Regarde. Je mets ça. Je suis sur le laisse. Ouais. Bah écoute, on a la longueur. On a la longueur. On coupe, je sais pas, deux ça. Deux morceaux comme ça. Un seul. Un comme ça. Puis un et un de l'autre côté. Ouais, bah deux. Ouais. Et puis on va coller ça, ma foi. On verra, c'est ça. Alors, il faut qu'on fasse la moitié de ça. Ouais, à peu près. Et ça y est, il y a Michel qui remonte en tête de mât avec sa main.
Non, mais je vous jure, c'est une manie. Chez lui, il faut tout le temps qu'il monte en tête de main. Il a un problème avec ça, j'en suis sûre. Alors, il y a un petit pêcheur qui passe sur sa barque en bois. Et là, il y a nos amis Taoumé. Écoute, je sais pas si je vais mettre du scotch là autour, mais non, il n'y a rien du tout, il n'y a absolument rien d'abrasif. Il n'y a pas une goupille, un truc comme ça? Non. Il n'y a rien d'abrasif là. Tu m'avais pas dit qu'il avait un petit côté simiesque. Les dents du singe. Bon, la réparation du spi est parfaite. On sait pas où il a accroché là pour nous faire ça. Mais tout va bien. Toujours que tu me filmes quand j'ai des positions, mais incroyable. Tu fais ta gym. Ouais. Je fais du ping. C'est bien. Notre destination en approche finale de Kiswère. Voilà, pour la nuit, on va s'arrêter à Kiswère. Et puis, un petit truc un peu rigolo. Donc là, on a Navionix sur la tablette. Et puis, on va passer sur... sur la vue satellite de l'ordi, qui est pas mal. Et puis si je pars sur OpenCPN, on a un petit blème. Donc là, on est en plein dans les terres. Donc il y a un décalage de carte. Comme quoi, il faut toujours avoir différentes sources pour voir les cartographies, hein, surtout dans ces zones ici. Il n'y a aucune précision. Là, on a vraiment un décalage de... Un décalage de combien là pratiquement? De là à là quoi. Ouais, on a presque 0,2 mille de décalage, donc c'est quand même important. Voilà, et puis dehors, il fait tout gris. Bonjour matin, il est 6h. Nous partons pour Mtuara ce matin. 60 000 à parcourir. La grand voile est en train d'être relevée. C'est magnifique. Le vent, il n'est pas violent ce matin, hein. T'as pas sorti la bouteille de rhum pour mettre une goutte dedans? À 6h du matin. Oh, Vincent, il est chaud. Ben, on est parti pour 62. Ouais, t'as déjà tout dit. 60 000, j'ai dit, pour ouais. 62 000, ouais. Direction Mtuara, ligne droite, enfin presque. Comme ça, on a le temps de faire des courses, la météo, elle est... Il donne du vent dimanche, lundi, mardi, mercredi, le vent va diminuer. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse partir dimanche. Et aujourd'hui, on est quoi? On est jeudi. D'accord.
jeudi on arrive, vendredi, samedi pour faire les courses, dimanche on fait la sortie, dimanche midi on part. Si tout va bien, autrement on verra, on adaptera. Notre prochaine étape, c'est... Allons au vent de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon là, il faut qu'on calcule à quel moment on va empanner. Hein. Ouais, logique, ça serait dans deux nautiques, quoi, un nautique et demi. Voilà, un nautique et demi pour virer. D'accord. Et à ce moment-là, on aurait l'autre panne de l'autre côté. En principe, parce que là, ce matin, on a viré de 15 degrés et on a gagné un nœud et demi. Hein. Donc ça vaut quand même le coup de tirer des bords aux trois quarts arrière. Quoi. Ouais, oui. Voilà. Non, mais je pense que ça va être bon, là, tu vois, dès qu'on arrive là. Ouais, à 3 heures, dans un quart d'heure, c'est bon. Hein. Un nautique et demi sur... À 6 nœuds, ça fait un quart d'heure, donc comme on est à 7,5, là, c'est... Moins 10 minutes, quoi. Ouais, 6,5, quoi que ça ralentit le vent, hein, il y a moins... Ah, on a fait des pointes à 9 nœuds tout à l'heure, alors que là, on fait des pointes à 7 9, tu vois. Ouais, on se traîne, quoi. Ouais, on se traîne. Arrivé à Mtoara par temps gris couvert. Ouais, puis il y a des gros orages derrière. Bon, bah écoute, hein, c'est comme ça. J'espère qu'on pourra aller au resto ce soir. Ah ouais. Parce que c'est très important d'aller au resto. Oui. Chop it like.
C'est quoi ça, Corinne? C'est pour faire les drapeaux. Ah ouais. Bientôt plus de tissu rouge parce que le drapeau suisse, ben, il a besoin de beaucoup de rouge. C'est le rouge réglementaire suisse. Ouais, non, ça, on s'en fiche. Hein. I'm from Tanzania. I'm living in Tanzania. Yes, I am grandfather. C'est so fresh. Et tu, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est pour mettre sur la tête. Moi, j'ai mis de ceinture pour pas que je marche dessus. Et puis, il y a le foulard qui va avec. C'est magnifique. Alors ça, je sais pas. Je vais peut-être le transformer en une petite robe ou un petit top ou quelque chose. Avitaillement pour aller à Mayotte. Voilà. Donc là, on devrait tenir un petit moment. Oui, je crois. Il reste encore 10 kilos de patates là. Il y a encore des patates, ouais. Nous sommes devant les bureaux des customs pour le bateau, donc tout est fini. Mtwara, notre dernière destination en Tanzanie. Voilà, c'est fini, les papiers sont faits, le bateau peut sortir et direction Mayotte comme prévu. Et puis, il fallait trouver l'endroit. Hein. Donc heureusement, le yacht club de Mtwara m'a bien aidé. Il y avait une personne qui m'a emmené en voiture, là, qui me promène à travers les dédales des bureaux, parce que alors, c'est vraiment pas évident de trouver les bureaux ici. Et puis les gens sont très très gentils, mais malheureusement ils parlent que le swahili. Donc le swahili et l'anglais sont pas très compatibles, mais on s'en sort. Voilà. Donc c'est ici. Et bien voilà, c'est le dernier jour ici en Tanzanie. Ou pas. Si, normalement oui. On devrait partir ou ce soir ou demain matin. Et puis, on voulait vous dire que vraiment la Tanzanie, ça a été vraiment un très très gros coup de cœur. On a adoré, mais vraiment adoré. Je pense que si on a l'occasion de revenir ces prochains mois, si on décide de ne pas passer par l'Afrique du Sud, on va revenir parce que la Tanzanie, c'est vraiment un pays magnifique. Et une gentillesse, ouais, des gens. Un accueil de la population. Vraiment, il n'y a aucun pays où on a vécu ça. Non. Que ce soit Tanzanie, Kenya. Kenya aussi. Entre, ouais, ces deux pays, vraiment, ouais, c'était absolument magnifique. Vraiment, les gens sont d'une gentillesse. Ils nous aident pour n'importe quoi, sans rien demander. On se promène dans les rues, il n'y a aucune agressivité. C'est vraiment un petit paradis, quoi. Et ils nous disent bonjour, on passe n'importe où, bonjour. Vraiment, mais vraiment d'une gentillesse. On n'a jamais vécu ça, vraiment. Donc voilà, c'est un petit témoignage pour vous expliquer que si vous avez l'occasion de venir en Afrique, faites le choix d'aller en Tanzanie ou au Kenya. Mais vraiment, vous allez aimer ça. Ouais. Donc nous, on va vraiment avoir un peu de chagrin de quitter ce pays parce que voilà, c'est un très, très, très grand coup de cœur. Mmh. Vraiment génial. Ouais. Et la suite? La suite, ça sera Mayotte. Voilà, Mayotte, la suite. Donc départ, comme a dit Corinne, hein, entre ce soir et demain, le vent est très, très léger. Il est de plus en plus léger, là, dans on est en train de prendre les grippes, là. Je pense que Soleil va nous donner un coup de main, c'est la marque de nos moteurs. Hein. Je crois que les grimes, on n'a pas plus de 10 nœuds sur les grimes là pour l'instant, pour 3-4 jours de traversée. Ouais, voilà quoi, il faut le faire, donc on sera là-bas. Voilà, au revoir la Tanzanie. Bisous tout le monde, bye bye, et bonne semaine. Salut à tous, bisous.